En épousant le prince Harry, Meghan Markle était prévenue. Intégrer la famille royale n'est pas sans conséquence, ce n'est pas pour rien qu'elle est aussi appelée The Firm. Certaines anciennes petites amies du petit-fils de la reine s'y sont cassées les dents, Chelsea Davy, avec qui il a vécu une histoire d'amour de 7 ans, a préféré mettre un terme à leur relation, excédée par la traque incessante des paparazzi. C'était fou, effrayant et désagréable. C'était très difficile à gérer. Je n'ai pas réussi à assumer cette situation, a-t-elle un jour expliqué. Meghan Markle n'était pas sans savoir que son quotidien allait forcément se compliquer en devenant une tête couronnée. Pourtant, selon une ancienne amie Gina Neltorp-Coven, qui a été sa conseillère commerciale après sa rencontre avec l'ex-actrice sur le tournage de la série Suits, la duchesse n'a rien voulu entendre de ses mises en garde. Mais ne dis pas plus, je ne veux pas savoir, je vis un moment très heureux, lui aurait répondu Meghan Markle, balayant avec fermeté ses avertissements, d'après The Sun. Une femme ambitieuse qui a vite déchanté pour cette ancienne collaboratrice, qui se confie auprès du journal britannique, elle était loin d'être naïve. Elle voulait juste accomplir son destin sereinement, remplir cette mission de conquérir, non pas un vieux prince, mais le prince. Autre ambition de la future maman d'Archie, changer le monde. Je la soupçonne d'avoir voulu dire qu'il souhaitait diriger le monde, continue Gina Neltorp-Coven, qu'il aurait aussi prévenu que son entrée au sein de la famille royale signait la fin de sa vie privée. Une dernière prédiction qui se sera tristement réalisée, et qui aura poussé le couple à vouloir prendre ses distances avec la couronne.